quinzaine d'associations sportives de Fécamp ont animé le Front de Mer ce dimanche 18 septembre pour la fête du sport. Ce fut l'occasion pour rencontrer un athlète d'origine fécampoise qui est en passe de se qualifier pour les JO Handisport, de faire un focus sur l'association gymnique du Bois Rosé qui compte pas loin de 500 licenciés et enfin de rencontrer les Crazy Dunkers qui ont proposé deux shows de décoiffants. Emmanuel Ferré, 47 ans, policier d'activité et je suis dans la catégorie handisport en kayak, course en ligne 200 mètres. Ça faisait même pas une semaine que j'étais debout avec une prothèse qu'on m'a présenté à la Fédération Française de Kayak pour un essai. L'essai était probant, ça leur a plu et ils m'ont dit bon, mais on aimerait bien que tu continues dans cette discipline. Alors évidemment, par rapport à mon handicap et tout ça, ça se présentait très très bien. Voilà, j'ai encore le haut du corps qui est valide. Tout d'abord être sélectionné dans l'équipe de France, ça ce serait idéal. Et après, pouvoir se présenter, être là sur la ligne, c'est l'idéal. Mais on est quelques-uns quand même à se présenter. Là, il y a tout à faire, il y a une place à prendre. Et voilà, l'objectif, ce serait ça. Mais on va y aller petit à petit par étapes. Tu voulais nous parler un peu plus de l'handisport, c'est pour la reconstruction, c'est pour autre chose? Surtout pour ça. Et je pense que c'est un bon moyen de bouger, hein, pour avancer, de toute façon, il faut bouger. Pour avancer, il faut bouger. Et c'était idéal. Ça faisait 3 mois que j'étais allongé ou en chaise roulante. Et quand j'ai eu ma prothèse, ça faisait une semaine. On m'a dit, mais viens faire l'essai. Mais c'était, pour moi, c'était une renaissance. Se retrouver comme ça, donc déjà dans un lien social, parce qu'on est coupé de tout. Se retrouver sur l'eau, à faire du sport, dans la nature, avec les oies, les canards, c'est mon quotidien. Le message, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut continuer. La vie ne s'arrête pas. C'est différent, c'est totalement différent, mais il ne faut pas s'arrêter. Chez nous, on propose de la gym artistique féminine et de la gymnastique artistique masculine. Nous sommes un club de 500 licenciés avec 5 entraîneurs et nous vous attendons nombreux à notre club. Pourquoi faut faire de la gym? Alors j'irai plus loin que ça, il faut faire du sport en fait, tout simplement parce que le sport c'est hyper bénéfique pour notre corps, ça nous apprend à mieux vieillir dans l'avenir. Ensuite, si vous voulez faire de la gymnastique, on va vous demander un petit peu de souplesse, un petit peu de force et grâce à toutes ces qualités, vous serez les bienvenus dans notre activité. Donc là, la tête, la piquée. Alors, les qualités d'un Crazy Dunker, il faut être un petit peu fou dans sa tête déjà pour commencer. Il faut avoir quelques bases de gym pour faire des acrobaties, c'est mieux. Il faut aussi avoir quelques bases de basket, histoire d'attraper les ballons. Il y a beaucoup de manœuvres, il y a des ballons qui passent entre les jambes, qui passent dans le dos. Il faut savoir manipuler la balle. Et puis après, tout ce travail, chacun a ses capacités, chacun a des capacités différentes. On en a qui vont être plus acrobates, d'autres qui vont être plus passeurs, d'autres qui vont être plus solides, plus costauds pour monter très haut et faire des finitions. On a plusieurs profils qui peuvent s'adapter à ce sport et qui sont tous compatibles les uns avec les autres, ce qui forme les Crazy Dunkers que vous venez de voir ici aujourd'hui. Ça tourne. Et ça va, ça peut pas faire que...